Et coucou, c'est les successeurs de Disney. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sous l'abréviation de, enfin, sous notre collection fanart. Fanart, mais c'est pas tout à fait un fanart. C'est plus de la nourriture. Ça va, on va vous dire. On si va ça, vous donner faim. Si ça nous donne faim. Il s'agit donc de Jacob Food Diaries, qui donc a fait plusieurs petits plats comme ça. Donc je suis très pressée. En rapport avec Disney, donc. Très surpris. On y va. Ferme les yeux. C'est parti. C'est trop mignon. Donc nous commençons ça avec... Ça se mange tout ça? Bah oui, regarde, il y a des fleurs et ça doit se manger. Là, alors les de la fleurs, biscotte. Je sais que ça se mange. Oui, ça c'est sûr. On dirait de... Ouais, regarde, ça peut être du céleri. C'est ou... énorme. Ou de la choucroute, on va en comprendre. On dirait du poulet pour les choux. Donc dites-nous si vous pensez reconnaître les ingrédients pour chacun d'entre eux. Lequel est votre préféré? Lequel vous donne le plus envie d'être mangé? Ça fait c'est beaucoup. C'est classe. C'est trop mignon en tout cas. Ah mais je... Enfin, c'est super mignon, mais le fait qu'ils aient mis sa femme... Ça... Ah bah oui, ça fait Ça me rend trop triste, sérieusement. Rien que pour ça, je pense pas que ce sera mon préféré. Oh alors c'est dingo. Le brocoli. Avec du brocoli, du riz, du pain au milieu. Une tomate pour la langue. Ah ouais. Une olive pour le pif. Du poulet pour le col. Par contre, je vois pas ce que c'est, le museau et... Ouais, c'est de bizarre. De la pâte. Ouais, de la pâte, du pain ou de la pâte à pain. Là, du pain de mie pour les... Le truc c'est que moi j'ai ça. J'ose pas y manger. Bah non, c'est beau. C'est drôle de faire ça. Passons au suivant. Oh, j'adore. Excellent monstre et compagnie. Ah, la prochaine fois que je mange du chou, j'essaie de faire celui-là, tiens. Ouais, c'est super sympa. C'est super sympa. J'adore. Des crevettes pour faire les cornes. Les haricots pour faire les pâtes. J'adore. Il est trop fort celui-là. J'aime bien aussi, ouais. Passons au suivant. Oh, oh mon wow. Dieu! Excusez-nous si on gueule. C'est trop classe! Ah, sérieusement? Il y a poireaux, épinards. Carottes. Waouh! Il y a trop de choses. Je reconnais pas tout. Il doit y avoir du navet. Oui, il y a du navet. Il y a du. Une planche à pain. Mais c'est pour faire tout ce qui est pot en fait. Ça doit être délicat. Bon, après, on mange pas le poireau comme ça donc. C'est aussi, c'est peut-être pas tous mangeables, attention, hein, je sais pas. C'est super classe. Mais celui-là, il est super beau, quoi. Je me demande ce que c'est la matière qu'il utilise beaucoup pour faire la peau. Qu'il mais je pense de la pâte, hein. En tout cas, Jacob, il assure. Oh, il est trop mignon. C'est trop chou. Du poulet. C'est peut-être du jambon, hein. Je sais pas. Je me demande bien ce que c'est. Du blanc de dinde. Peut-être. Je me demande bien ce que c'est. Une asperge pour faire le... Ouais. Le quoi d'ailleurs? Le, c'est, ça doit être la première lettre de son nom en VO. Ah oui, oui, parce que j'allais dire bourriquet, je vois pas le rapport. Bourriquet, porciné. Et sûrement du, et du poulet cuit pour le reste. Ouais. Et une tomate cerise pour le nez. Et carotte pour faire. C'est sérieusement une forme d'art. Hein. Oh! Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en ange? Il est au ciel? Il est ouais, mort. Ça fait un peu tristouné quand même. Il est mort. On est bien d'accord que c'est calme. J'adore les petits pieds. Oui! C'est des petites boules. Et c'est des feuilles de chou chinois là. Ouais. J'adore. Très sympa. Oh, 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 ça donne. Pour le coup, c'est un dessert. Ça me donne envie de manger ça. Les petites myrtilles, j'adore. Pour l'instant, c'est mon préféré là. Mm. Avec la gaufre, chocolat un peu partout. Ça fait vraiment en relief, c'est classe. Ouais. Ouais, pour le coup aussi, ouais. Ça fait relief. C'est j'adore. Beau. Les petites myrtilles, mais ça donne faim. Oui, j'ai oui. Faim. Oh. Il s'agit donc de Maui. À la place de l'hameçon, il a. C'est du poireau, je pense. Ouais, hein. C'est un poireau. Oh, j'adore. C'est vachement bien fait. Mais je me demande ce que c'est que cette matière. Faudra lui demander. Ouais. Jacob, dis-nous qu'est-ce que c'est que cette matière. Dis-nous ce que c'est que cette matière. Mais c'est super joli, hein. Après, comme ça me donne pas faim, parce que tu vois, je... Ah bah lui, il est moins appétissant. Ouah, il est trop beau. Ouah, mon Dieu. Oh, j'adore ses cheveux. C'est quoi, c'est du jambon voilà. Ou c'est un légume? Ça pourrait être, tu sais, la forme de viande des grisons, là, mais ça me paraît, ouais. Trop, ça me paraît un peu trop rouge. Ah, putain, ça me... Alors c'est du chou pour faire la... Oui, la, le buste, c'est du le chou. Le buste, et voilà, encore une fois, cette pâte inconnue. Cette pâte inconnue. Voilà quoi, ça a été maquillé et tout, c'est super beau. Le citron pour les petits détails. Pff, c'est j'adore. Super beau. Oh, mangez-moi. Mangez-moi. Ouais, tu vois, comme ça, si ça serait pas au milieu d'un couscous... On dirait de la pâte d'amande. Voilà, c'est ça. J'aurais dit, ça fait pâte d'amande. Petit cochon. Mais avec de la pâte d'amande et la pâte comment à sucre, comment il s'appelle ce cochon? Pua. Pua. Pour dire, c'est censé être une mascotte, une grosse mascotte, et au final, on le voit presque pas.
Il sort le 5 avril d'ailleurs, tiens, je sais pas si quand vous verrez cette vidéo le film sera sorti, mais on attend de le recevoir pour le regarder avec Princesse. Parce que je ne l'ai toujours pas vu. Et on fera peut-être une vidéo retour de nous deux, comme ça on pourra parler sans spoil parce que le film est sorti il y a un moment. Voilà. Suivant. Oh, avec les myrtilles encore une fois. Oh, j'adore. Et là pour le coup on dirait des tartines, tu vois, pour faire la tête et les oreilles, non? Ouais, ouais, ouais. On dirait des tartines avec une tranche du saumon. De saumon. Et alors, le saumon il est pas trop frais. Hein. Non, ça doit pas être du saumon, c'est pour ça. Donc c'est Judy. Très très joli. Ça claque. Franchement, c'est... il y en a, ils s'amusent. Ils font des trucs que tu te dis. Où ils vont chercher ça. Oh, c'est trop beau! Excellent, merci. Ah, ça va être... c'est peut-être la fin. Du coup. Ouais. Oh, j'adore la langue de Pluto. Par contre, oui, c'est... Par contre, du coup, c'est vrai que c'est très joli, mais ça doit être, là, ça doit être la preuve que ça doit pas être pour faire un plat. Parce que si vous voulez manger ça, vous imaginez le nombre d'olives que vous enfilez pour manger Mickey. C'est quand même pas mal. Hein. Ah ouais, la langue de Pluto, c'est ouais, quoi? Je dirais un bout de rhubarbe ou rhubarbe. Ouais, ouais, un truc comme ça. Non, ça me fait penser à la rhubarbe à cause de la couleur ouais. Et la forme, mais c'est pas... Mais il est trop... Franchement, c'est... Et c'est quoi? C'est du chou? C'est un chou? J'ai oublié. Est-ce le chou de... espagnol, non, non genre oui. La tête d'un goût. Oui. Je crois que c'est ça. Je sais pas. C'est du un coup, chou. Manger 5 fruits et légumes par jour. Petit message. Est-ce que c'est le dernier? Oui, c'était le dernier, donc c'est... voilà. Franchement, c'est super. Quel était ton préféré, toi? La bête. Parce la bête. Que je préfère les desserts. C'est lui qui t'a donné le plus envie de manger. La bête. Non, la reine de cœur. Ouais, à cause de qu'on pense que c'est le centre des grisons. Oui, oui. Raclette ce soir. Et celui que tu as préféré niveau beauté? La bête. Bah non, je dis la même chose. J'ai beaucoup aimé le chapelier aussi. Ah oui, 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 très très joli le chapelier. Donc surtout dites-nous lequel vous avez préféré en commentaire et lequel vous auriez, lequel vous a donné, lequel vous auriez bien mangé. Voilà, ouais. Et on se retrouve très bientôt. Salut.